troisième jour du procès des dirigeants indépendantistes catalans. À la barre ce jeudi, Oriol Junqueras, l'ancien vice-président de la région autonome. Placé en détention depuis fin 2017, le parquet a requis contre lui 25 ans de prison pour rébellion. Face au juge, celui qui est le principal accusé du procès a refusé de répondre. Aujourd'hui, je me considère comme un prisonnier politique. Je pense que je suis dans une situation inextricable, vu que je suis accusé à cause de mes idées et non de mes actions. Ainsi, étant donné que je suis accusé dans un procès politique, que je suis un élu et que je rends des comptes à mes électeurs, je ne répondrai pas aux questions de l'accusation. Devant la Cour suprême de Madrid où se déroule le procès, des dizaines de personnes, soutien de l'ancien vice-président, se sont rassemblées, dont l'actuel chef du Parlement catalan, Roger Torrent. Une présence qui masque mal l'absence de l'autre grande figure du référendum du 1er octobre, Carles Puigdemont. Il a depuis Berlin qualifié le procès de mascarade. Il devrait pourtant durer 3 mois, verdict attendu au mois de juillet.